suis Makita Kaya-Martin, professeur de sciences physiques. Je vous souhaite la bienvenue à la chaîne École à domicile. Bien, nous revenons avec vous sur la première partie de la physique en classe de terminale, CED. Dernièrement, nous avions abordé les éléments de mathématiques utiles à la compréhension de certains phénomènes de la physique. Nous continuons dans la même lancée. Et aujourd'hui, nous abordons les incertitudes à partir des grandeurs mesurées. Alors, pour bien comprendre cette notion d'incertitude à partir des grandeurs mesurées, qui sont encore appelées des grandeurs physiques, nous abordons d'abord l'étude des grandeurs physiques. Alors, qu'est-ce qu'une grandeur physique? Parmi les définitions qui sont données, on dit qu'une grandeur physique est une caractéristique de la nature qui peut être quantifiée par le calcul ou par la mesure. Qu'est-ce que cela veut dire? Prenons l'exemple de la masse d'un corps. La masse d'un corps est une grandeur physique. En utilisant la balance, on peut quantifier cette grandeur physique en réalisant la mesure. La masse, vous avez vu cela en chimie, peut aussi être déterminée à partir de la loi de Raoult. Donc là, on détermine la masse en tenant compte d'un calcul. Donc nous allons aborder ce que l'on appelle les grandeurs physiques et par la suite, nous pourrons entrer dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire du point de vue de la définition? On peut aussi dire ceci. On appelle grandeur physique tout ce qui peut prendre une valeur déterminée dans les conditions bien définies. Je vais écrire cela au tableau. On appelle grandeur physique tout ce qui donc peut prendre une valeur déterminée dans des conditions bien définies. Voilà. Donc, la force est une grandeur physique. En physique, on utilise beaucoup les forces. La force est une grandeur physique. La force peut être déterminée à partir d'un dynamomètre. Le dynamomètre, c'est l'instrument utilisé pour déterminer l'intensité de la force d'une grandeur. Alors, parmi donc, ces grandeurs physiques, nous pouvons prendre en exemple la force. La force qui est mesurée en utilisant un dynamomètre. Nous pouvons prendre la pression. On peut utiliser un nanomètre. Nous pouvons prendre le volume. Point de suspension. Voilà. Donc le volume peut être mesuré lorsqu'il s'agit par exemple du volume d'un liquide. Le volume peut être mesuré en utilisant un récipient gradué. Lorsqu'il s'agit par exemple d'un solide de forme bien particulière, on peut utiliser une formule appropriée pour calculer le volume du corps. Donc ici, on dit que le volume est une grandeur physique. Ça veut simplement dire que parmi ces grandeurs physiques, il y a des grandeurs mesurées et il y a des grandeurs calculées. Voilà, on peut mesurer une masse comme on peut aussi calculer une masse. Il y a des grandeurs qui ne peuvent être que, par exemple, mesurées. Je prends le cas de la masse d'un corps, par exemple. La masse d'un corps peut être mesurée, mais la masse peut aussi être déterminée en utilisant une formule appropriée. Bien, alors, au deuxième point, après avoir abordé la notion de grandeur, au deuxième point, grand 2, valeur approchée
valeur approchée et valeur exacte valeur approchée et valeur exacte d'une grandeur physique. Valeur approchée et valeur exacte d'une grandeur physique. Alors, soit à réaliser la mesure d'une grandeur physique grand G. Je peux prendre le cas de la mesure d'une longueur. On réalise la mesure d'une longueur. Je prends par exemple le cas des dimensions d'une parcelle. Alors, on peut dire que cette parcelle, après mesure, a une longueur égale à 20 mètres. Mais généralement, lorsqu'on réalise cette mesure, on ne va pas jusqu'au bout de la mesure. Ça veut simplement dire quoi? Je prends le décamètre pour réaliser la mesure, et quand je prends ce décamètre pour réaliser la mesure, alors dès que je tombe sur 20, je ne fais pas attention à ce qui suit. Or, ce qui suit peut être des millimètres ou des centimètres. Et si on peut tenir compte de ces centimètres ou de ces millimètres, et si on peut réaliser la même mesure beaucoup de fois, on peut se rendre compte qu'on n'en trouvera pas la même valeur. Il y aurait à ce niveau-là une différence par rapport à ces centimètres ou à ces millimètres. Alors, voilà pourquoi on dit en physique que la mesure d'une grandeur physique est entachée d'erreur. Donc, lorsqu'on réalise cette mesure, on peut prendre le cas par exemple de l'éducation physique. On te donne le chronomètre. On te dit, le prof te dit, bon, écoute, tu vas évaluer le temps qu'un de tes collègues va mettre sur un parcours, par exemple, de 100 mètres. Toi, tu prends le chronomètre. Tu dis, avant Marc, prépare-toi, tu enclenches le chronomètre. Le collègue s'en va. À la fin, quand il arrive au bout de son parcours, au moment où tu arrêtes le chronomètre, à supposer que tu puisses trouver 20,2 secondes. Alors, si tu reprends la même expérience, ce n'est pas évident que tu puisses encore trouver 20,2 secondes, mais tu peux trouver 20,4 secondes, ou encore 20, peut-être 3 secondes, etc., etc. Donc, on dit à ce moment-là que la valeur trouvée ne correspond pas à la valeur réelle, parce qu'à ce niveau-là, on ne sait pas si ce que tu as trouvé correspond à la valeur réelle. Mais tout ce que l'on sait à ce niveau-là, c'est que la valeur que tu as trouvée est proche de la valeur réelle. Voilà pourquoi ici, nous parlons des valeurs approchées et valeur exacte d'une grandeur physique. La valeur exacte n'est autre que la valeur réelle. Voilà pourquoi nous disons ceci. Soit à réaliser la mesure d'une grandeur physique grand G, une longueur par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si l'on recommence la mesure plusieurs fois avec le même soin, les nombres trouvés de la mesure sont généralement légèrement différents. Donc le résultat de la mesure n'est qu'une valeur approchée. Voilà pourquoi nous abordons cette notion. Donc nous pouvons écrire cela en introduction parce que cela est très important. Donc ça, je suppose que vous avez déjà recopié. Donc je peux nettoyer. Et donc je peux dire ceci. Donc soit à réaliser. Soit à réaliser la mesure d'une grandeur physique grand G. Une longueur, par exemple, une longueur, par exemple, alors si l'on recommence la mesure plusieurs fois donc si l'on recommence la mesure plusieurs fois avec le même soin avec le même soin alors les nombres trouvés
de la mesure sont généralement légèrement différents. Voilà. Donc les nombres prouvés de la mesure sont légèrement différents. Le résultat de la mesure n'est qu'une valeur approchée. Je peux vous donner un autre exemple pour mieux comprendre cette notion. Prenons le cas d'un ampèremètre qui permet de réaliser la mesure de l'intensité d'un courant. Alors, on peut avoir un ampèremètre qui a été confectionné de telle manière qu'il ne puisse indiquer que deux nombres significatifs. Alors, avec un tel ampèremètre, si la mesure réalisée est de 19, par exemple, est de 19,85 ampères, l'ampèremètre ne nous donnera pas 19,85 ampères, l'ampèremètre nous donnera 20 ampères, puisqu'il a été conçu pour n'indiquer au maximum que deux valeurs. Si, par exemple, en réalisant la valeur réelle, si on peut la connaître, est de 20,05 ampères, l'ampèremètre, là aussi, ne nous donnera que 20 ampères. Et cela arrive même avec certaines calculettes que vous utilisez. Quelquefois, quand tu réalises la mesure, l'appareil te donne directement, la calculette te donne directement la valeur arrondie. Donc, lorsque, par exemple, on réalise, on trouve 20 ampères avec un tel ampèremètre, alors qu'est-ce qui nous dit que réellement c'est 20 ampères? Peut-être que l'ampèremètre a arrondi, puisqu'il ne doit indiquer au maximum qu'avec deux chiffres. Lorsque, par exemple, on trouve 20 ici aussi, qu'est-ce qui nous dit que ce n'était pas 20,00? Voyez-vous? Donc, déjà, à ce niveau-là, il y a un doute. Et c'est ce doute qui est transformé en physique en notion d'incertitude. Parce que quand il y a un doute, cela veut dire qu'on n'est plus certain. Voilà pourquoi nous allons dire ceci. Lorsque l'ampèremètre donne 20 ampères, dans les deux cas, la valeur de 20 ampères n'est qu'une valeur approchée. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas réellement la valeur exacte de la mesure. Donc nous abordons déjà la notion de valeur approchée. Que faut-il retenir de cette notion? Je peux donc écrire ceci. La valeur approchée d'une grandeur physique grand G, la valeur approchée, je souligne ceci, d'une grandeur physique grand G, est le résultat de la mesure dans certaines conditions. Voilà. Alors, elle se note ou nous notons cela par GA. GA qui veut dire quoi? Qui veut dire grandeur approchée. Donc, lorsqu'on réalise une mesure, la valeur trouvée n'est qu'une grandeur approchée, car on ne connaît pas d'emblée la valeur exacte. Donc là, on a déjà abordé la notion de valeur approchée. Et nous pouvons aborder maintenant la notion de valeur exacte. À ce moment-là, nous écrirons que la valeur exacte est la valeur réelle de cette grandeur physique prise «
dans les mêmes conditions. Voilà, prise dans certaines conditions qui sont donc les mêmes conditions que tout à l'heure. Voilà, prise dans les mêmes conditions. Alors, à ce moment-là, elle est notée GE. Voilà. Donc, quand je réalise une mesure, la valeur trouvée ne doit pas être considérée comme étant une valeur exacte. La valeur de la mesure est d'emblée considérée comme étant une valeur approchée. La valeur exacte n'est pas rigoureusement connue. Voilà ce qu'il faut retenir de la notion de valeur approchée et valeur exacte d'une grandeur physique. Lorsque je prends une balance pour évaluer ma masse, si je trouve 75 kg, en physique, on estime que cette valeur n'est qu'une valeur approchée. Donc, c'est une valeur qui est proche de la valeur réelle, encore appelée valeur exacte. Mais comme nous commettons une erreur, à ce moment-là, en physique, on définit deux types d'erreurs. Il y a l'erreur absolue et l'erreur relative. Qu'est-ce que les physiciens appellent par erreur absolue? Donc, c'est le point suivant. Grand 3. Erreur absolue et relative. Erreur absolue et relative. Au grand 3.1, nous commençons par l'erreur absolue. Erreur absolue. Bien, alors, donc je lis ceci. GE étant la valeur exacte, j'ai réalisé la mesure de la masse de mon corps, j'ai trouvé 65 kg. Ça, ce n'est autre que la valeur approchée. Donc, si GE est la valeur exacte de la grandeur G et GA, la valeur approchée, alors, donc, si on peut connaître la valeur exacte et la valeur approchée, qu'est-ce qu'on appelle par erreur absolue? L'erreur absolue, c'est la différence entre la valeur exacte et la valeur approchée. C'est ce que nous allons écrire. Qu'est-ce qu'on appelle par erreur absolue? Alors, nous disons donc que, on l'a déjà dit, G, c'est la valeur, GA bien sûr, c'est la valeur approchée, GE, c'est la valeur exacte, G, c'est la valeur de la grandeur à mesurer. Alors, nous disons que l'erreur absolue, sigma G, c'est comme ça qu'on la représente, est telle que, voilà, sigma G est donc la différence entre la valeur exacte et la valeur approchée. Sigma G, c'est donc, voilà, ici, à partir de la formule, toi-même, tu peux formuler une phrase. On n'est pas obligé d'écrire une phrase, mais dès que tu maîtrises cette formule, tu peux formuler une phrase en disant que l'erreur absolue est la différence entre la valeur exacte et la valeur approchée. Voilà ce que l'on appelle par erreur absolue d'une grandeur G. Voilà. Donc, par définition, l'erreur absolue d'une grandeur G est l'écart. On peut aussi définir cela comme étant l'écart. L'écart qui sépare la valeur approchée, GA, de la valeur exacte ou valeur réelle. Nous pouvons prendre un exemple très simple. Exemple. Exemple, j'écris ceci. «
Exemple, la valeur. La valeur de la vitesse. La valeur de la vitesse de la lumière dans le vide. Voilà, la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide est C0 égale à 2997. Voilà, 299 792 kilomètres fois seconde moins 1. Cette valeur, valeur considérée comme vraie. Donc, valeur considérée comme vraie. Donc, valeur considérée comme étant la valeur réelle. Alors, si l'expérience de la mesure donne, c'est égal à 300 000 km fois seconde moins 1, alors à ce moment-là, nous disons qu'il y a une erreur. Et à ce moment-là, comment faire pour déterminer donc cette erreur? Alors, on dit que l'erreur absolue, de son résultat, ou de ce résultat, c'est mieux, de ce résultat, est sigma g égale, alors, à la valeur réelle, C0, moins C. On suppose que C0, ici, c'est la valeur réelle de la mesure. Donc, nous avons C0 moins C, c'est-à-dire, nous avons ici 299 792 km fois heure moins 1, non, plutôt fois seconde moins 1, moins 300 000. Et on tombe sur une erreur égale à moins 208 km fois seconde moins 1. 208 km fois seconde moins 1. Ce qui veut dire l'erreur en tant que telle peut être une grandeur négative. Voilà ce qu'il faut retenir de l'erreur. Alors, en conclusion aussi, nous disons que toute mesure d'une grandeur physique G est entachée d'une erreur sigma G dont les causes sont multiples. Nous verrons un peu plus loin les différentes causes qu'on pourra énumérer, les causes relatives à ces erreurs. Et le résultat de la mesure est donc présenté, donc je donne directement l'expression, le résultat de la mesure est donc présenté finalement sous la forme, ça c'est la première partie, alors sous la forme GE égale à GA plus ou moins sigma G. Là, nous tenons compte de l'erreur. Et on l'a dit tout à l'heure, l'erreur absolue peut être négative ou positive. À partir de l'erreur absolue, les physiciens et les mathématiciens aussi ont défini ce que l'on appelle l'erreur relative. On vient de parler de l'erreur absolue, passons à l'erreur relative. Erreur relative. Que dit-on du point de vue de la définition de l'erreur relative? On dit ceci, on appelle erreur relative le quotient de l'erreur absolue par la valeur exacte GE. Voilà. Donc nous présentons la formule, nous disons erreur. Pour éviter la confusion, je nettoie ceci. Donc je dis erreur relative
erreur relative. Donc j'ai dit erreur en toutes lettres relative du point de vue de la formule, c'est égal à l'erreur absolue divisé par la valeur de la mesure exacte. Voilà. Voilà. Donc l'erreur relative est égale à, au rapport ou au quotient de l'incertitude, non, j'allais dire de l'erreur absolue par la valeur de la mesure, la valeur exacte de la mesure, donc divisé par GE. Voilà ce qu'il faut donc retenir de l'erreur relative. Mais on l'a dit tout à l'heure, comme GE n'est pas connu, GE n'est pas rigoureusement connu. Alors nous disons, comme GE n'est pas connu, alors on le remplace par GA. Voilà pourquoi à ce moment-là, l'erreur relative est donc égale à l'erreur absolue divisée par la valeur approchée de la grandeur. Voilà ce qu'il faut donc retenir de l'erreur relative qui est liée à l'incertitude, non, à l'erreur absolue. Bien. Alors ici donc, nous disons, il y a deux principales causes d'erreur. Il y a ce que l'on appelle les erreurs systématiques. Bon, elles proviennent d'une mauvaise utilisation ou d'une défectuosité de l'appareil de mesure. Bon, il y a des appareils de mesure où, avant de réaliser la mesure, il faut ajuster au zéro. Donc, je peux prendre cette le zéro de l'appareil, l'on permet, par exemple, qui est mal fait. Donc, l'ajustement n'a pas été bien réalisé au départ. À ce moment-là, en réalisant la mesure, on tombe sur une erreur absolue. Et cette erreur fait partie des erreurs systématiques. Nous avons également les erreurs accidentelles. Elles sont dues au manque de fidélité des instruments, échauffement, force de frottement et aux insuffisances de l'expérimentateur. Erreur de parallaxe, par exemple. On veut réaliser la mesure du volume d'un liquide contenu dans un récipient gradué. Pour réaliser cette mesure, il faut savoir disposer l'œil. Donc, si l'œil n'est pas bien disposé, on commet, par exemple, ce que l'on appelle une erreur de parallaxe. C'est-à-dire, l'œil doit être disposé sur l'horizontale passant par la surface libre du liquide. Or, si le récipient gradué qui contient le liquide est un peu plus relevé, on fera une mauvaise mesure. Il y aura donc une erreur. Et là, nous rentrons dans le cas des erreurs de parallaxe. Si c'est plus bas encore, c'est la même chose, nous commettrons des erreurs. Voilà ce qu'il faut donc retenir sur les causes des erreurs. Donc, il y a deux types d'erreurs, les erreurs systématiques et les erreurs accidentelles. Voilà pourquoi, par exemple, en classe de première, lorsque vous avez fait l'étude du courant continu, lorsqu'on vous a décrit l'ampèremètre, on vous a dit, là aussi, qu'en réalisant la mesure de l'intensité d'un courant en utilisant un ampèremètre, on commet une erreur. Et là-bas, le fabricant indique la valeur qui permet de calculer cette erreur. Donc, c'est là où on indique la classe. À partir de la classe, on peut déterminer l'erreur qui a été commise. Donc, il faut revoir les notions de première. Bien. Alors, la grande leçon ici, le titre, les incertitudes. Nous avons parlé des erreurs. Entrons maintenant dans le vif du sujet en parlant des incertitudes. Incertitude absolue et incertitude
relative, qu'on appelle encore la précision, hein, ou précision, précision. La précision, c'est l'incertitude relative. Mais c'est quoi l'incertitude absolue? 4.1, incertitude absolue. Donnons la définition. Définition. Donc 4.1.1, définition. Alors, nous disons ceci. L'erreur absolue, sigma G, n'étant pas connue, on doit se contenter d'en rechercher une limite supérieure delta G. Alors, l'incertitude absolue est la limite supérieure de l'erreur absolue. On la note delta G. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, on peut noter cela. Alors, donc on écrit ceci. L'incertitude absolue est la limite supérieure de l'erreur absolue. Voilà la définition simple. L'incertitude absolue est la limite supérieure de l'erreur absolue. Alors, on la note delta G. Donc, delta G représente l'incertitude absolue. Tel que nous pouvons écrire que la valeur absolue de sigma G est inférieure ou égale à delta G. Donc ça veut dire qu'en valeur absolue, delta G ne dépasse pas la valeur de sigma G. Enfin, donc valeur absolue de sigma G inférieure ou égale à delta G. Alors, cela nous permet finalement de dire que l'incertitude absolue est toujours positive, alors que l'erreur absolue peut être négative ou positive. Mais l'incertitude absolue est toujours positive. Donc l'incertitude absolue delta G, c'est la limite supérieure de l'erreur absolue. Voilà ce qu'il faut donc retenir de l'incertitude absolue. Alors ici, finalement, on a vu tout à l'heure dans l'exemple qu'en déterminant l'erreur absolue sur la vitesse de la lumière dans le vide par rapport à la mesure qui a été réalisée, nous avons trouvé moins 208 et nous avions précisé l'unité. Kilomètre fois seconde moins 1. Ça veut dire que l'erreur absolue s'exprime en une unité et delta G s'exprime également en une unité, c'est l'unité de sigma G. Alors, on dit à ce moment-là en physique que l'erreur absolue et l'incertitude absolue sont des grandeurs concrètes. Ce sont des grandeurs concrètes parce que ces grandeurs sont liées à une unité. Donc, je dis grandeur concrète, sigma G et delta G sont des grandeurs concrètes. Donc, ce sont des grandeurs physiques concrètes. On doit les exprimer. Voilà, on doit les exprimer avec la même
unité que j'ai. Ça veut dire que si la grandeur à mesurer est une tension, la tension électrique, cela veut dire que l'erreur absolue et l'incertitude absolue doivent s'exprimer par rapport à l'unité de la tension qui est le volt. Si c'est une intensité de courant, c'est par rapport à l'ampère qui est l'unité d'intensité du courant électrique. Si c'est une force, c'est par rapport au newton comme unité, ainsi de suite. Donc l'unité de sigma g, erreur absolue, et de delta g, incertitude absolue, est celle de la grandeur à mesurer, à savoir la grandeur g. Mais comment déterminer l'incertitude absolue? Là, nous allons parler du théorème des incertitudes absolues. Que dit le théorème des incertitudes absolues? Alors, nous pouvons nettoyer ici. Nous disons grand 4, 1, 2, théorème des incertitudes, théorème des incertitudes absolues. Voilà. Pour vous nettoyer, théorème des incertitudes absolues. Voilà. Vous pouvez nettoyer tout ça. Théorème des incertitudes absolues. Alors, ce théorème nous dit ceci. L'incertitude absolue sur une somme ou une différence de grandeur indépendante est égale à la somme des incertitudes absolues des différentes grandeurs. Je vais noter ça au tableau. L'incertitude absolue sur une somme ou une différence de grandeur indépendante est égale. Alors donc, est égale à la somme des incertitudes absolues sur chacune, ou à la somme des incertitudes absolues, voilà, des grandeurs. Voilà. Donc je dis l'incertitude absolue sur une somme ou une différence de grandeur indépendante est égale à la somme des incertitudes absolues des grandeurs. Prenons un exemple. Considérons une grandeur G, donc, qui se présente sous la forme X plus Y plus Z moins T moins, par exemple, W. Donc là, nous avons une grandeur qui correspond à la somme de plusieurs grandeurs. Mais comment déterminer l'incertitude absolue sur cette grandeur? Alors, par rapport au théorème, nous disons, ceci entraîne que delta G, là je parle bien de l'application du théorème des incertitudes absolues, delta G est égal à delta X, donc l'incertitude absolue sur X, plus l'incertitude absolue sur Y, plus l'incertitude absolue sur Z, plus delta T,
plus delta W. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'ici, il y a un signe négatif que nous devons placer un moins. Non. Le théorème nous dit ceci. L'incertitude absolue sur une somme ou une différence de grandeur indépendante est égale à la somme des grandeurs des incertitudes, à la somme des incertitudes absolues des grandeurs. Donc, G égale à X plus Y plus Z moins T moins W. On dit delta G égale. D'ailleurs, je veux ajouter un autre exemple. Prenons, par exemple, le cas du... Le cas, par exemple... On peut prendre le cas du demi-périmètre. Demi-périmètre d'un carré. Voilà. Pour prendre un exemple simple. Le demi-périmètre d'un carré, demi-périmètre d'un carré est égal à la longueur plus la largeur. Et si nous connaissons l'incertitude absolue sur la longueur, nous connaissons également l'incertitude absolue sur la largeur, on peut déterminer l'incertitude absolue sur la grandeur demi-périmètre. À ce moment-là, nous dirons l'incertitude absolue sur le demi-périmètre est égale à delta grand L plus delta petit l. Voilà. Alors, donc, le demi-périmètre du rectangle est égal à la largeur plus la longueur plus la largeur. Donc, s'il faut déterminer l'incertitude absolue sur le demi-périmètre du rectangle, connaissant l'incertitude absolue sur la longueur et l'incertitude absolue sur la largeur, à ce moment-là, on écrit delta dp, incertitude absolue sur le demi-périmètre égale à l'incertitude absolue sur la longueur plus l'incertitude absolue sur la largeur. Donc ici, vous devez savoir que ce théorème s'applique quand on a une addition ou une soustraction de grandeur. À ce moment-là, on applique le théorème des incertitudes absolues. Mais quand on a une multiplication ou une division, ce n'est plus le théorème des incertitudes absolues qu'il faut appliquer. Là, c'est le théorème des incertitudes relatives. Mais avant d'y arriver, comment connaissons maintenant la valeur de l'incertitude absolue? Connaissant la valeur approchée de la grandeur, comment présente-t-on le résultat de la mesure? Voilà. Donc, passons maintenant aux incertitudes relatives. Donc, nous disons 5, 2, incertitude relative ou précision. Bien, incertitude relative ou précision. Quelle est la définition qu'on en donne? Bien, définition. Alors, simplement, on appelle incertitude relative le rapport de l'incertitude absolue par la valeur approchée. Donc, ça, c'est l'une des définitions. Ceci à l'image de l'erreur relative. Donc nous disons ici on peut nettoyer. On nettoie. Alors donc nous disons qu'on appelle incertitude relative on appelle incertitude relative le rapport de l'incertitude absolue voilà par la valeur approchée. Voilà. Alors, donc, on peut écrire incertitude relative égale à delta G sur GA. Voilà. Donc, incertitude relative égale à l'incertitude absolue delta G
divisez. Donc vous-même, vous n'êtes pas obligé de mémoriser, mais si vous pouvez être à mesure de retrouver la formule, à partir de la formule de l'incertitude relative, vous pouvez vous-même établir la définition. On n'est pas tout le temps là, on n'est pas là tout le temps à mémoriser. Non, à partir de la formule, tu peux facilement établir la définition de l'incertitude relative. Mais ici, on remarque, nous tenons à dire ceci. Ça, c'est une définition. Mais on définit aussi. Donc, je remarque, première observation, on définit aussi l'incertitude relative comme étant la limite supérieure de l'erreur relative. Cette définition est aussi à connaître. Donc, je l'écris ici, l'incertitude relative. L'incertitude relative, voilà, est la limite supérieure et la limite supérieure de l'erreur relative et la limite supérieure de l'erreur relative. Voilà, voilà pourquoi on peut donc écrire que bon, on peut écrire ceci, hein. Voilà. Qu'est-ce que j'écris ici? Sigma G sur GA. Sigma G sur GA n'est autre que l'expression de l'erreur relative. Alors, ceci est inférieur ou égal à l'incertitude relative, à savoir delta G sur GA. Voilà. Donc attention aussi à cette définition. L'incertitude relative est la limite supérieure de l'erreur relative. Ce qui veut autrement dire que l'incertitude relative, comme l'erreur, non, l'incertitude relative est toujours positive. Alors, l'erreur relative est une grandeur positive, non, plutôt l'incertitude relative est une grandeur positive qui s'exprime généralement en pourcentage. Donc, l'incertitude relative est appelée encore la précision de la mesure. Une incertitude relative donne une idée sur la précision de la mesure. Voilà pourquoi on l'appelle encore par précision. Ça veut dire ceci, qu'une incertitude relative est d'autant plus faible que la mesure effectuée est meilleure. Plus l'incertitude relative est faible, plus la mesure effectuée est meilleure. Et ailleurs, dans certains documents, on écrit même que lorsque l'incertitude relative est inférieure ou égale à 5%, on tombe sur une bonne mesure. Mais quand c'est une incertitude qui va au-delà de 5%, cela veut dire qu'il y a eu beaucoup d'erreurs dans la réalisation de la mesure. Donc ici, par rapport au rapport, l'unité de delta G, qui est l'unité de l'incertitude absolue, est la même que celle de GA, qui est la valeur approchée de la mesure réalisée. Ça veut dire que l'incertitude relative n'a pas d'unité. Voilà. Même chose pour l'erreur relative. Voilà pourquoi à ce moment-là, on dit que l'erreur et l'incertitude relative sont des grandeurs abstraites. Elles s'expriment sans unité. Alors que delta G, incertitude absolue, sigma G, erreur absolue, sont des grandeurs concrètes. Ce sont des grandeurs qui sont liées à une unité. Ici, il n'y a pas d'unité et l'erreur relative. Donc, nous avions abordé la notion d'incertitude. Nous sommes plutôt dans la notion d'incertitude relative. Puisque nous avions parlé avant, dans le cadre de la notion d'incertitude absolue, nous avions parlé du théorème des incertitudes absolues. Parlons maintenant du théorème des incertitudes relatives. Donc nous écrivons ceci, théorème des incertitudes relative.
Alors, ce théorème intervient dans le cadre d'un quotient ou d'un produit. Et que dit ce théorème? Je vais directement écrire au tableau. Que dit ce théorème? Ça, on peut nettoyer. Bien. Alors, ce théorème dit ceci. L'incertitude relative sur un produit ou un quotient de grandeur, il s'agit de grandeur physique, de grandeur indépendante est égal à la somme des incertitudes relatives est égal à la somme des incertitudes relatives de ces grandeurs. Voilà. Alors, du point de vue formule, prenons le premier cas. Nous avons une grandeur grand G qui correspond au produit de trois grandeurs physiques X, Y et Z. Alors, comment déterminer l'incertitude relative? Alors, nous disons ceci, que l'incertitude relative, ça veut dire delta G sur G, est égal à la somme des incertitudes relatives de ces grandeurs, c'est-à-dire à delta X sur X plus delta Y sur Y plus delta Z sur Z. Si nous avons une grandeur qui se présente sous la forme G égale à A à la puissance N, alors à ce moment-là, nous disons que delta G sur G est égal à la valeur absolue de N fois delta A sur A. Nous avons une grandeur qui correspond, à X sur Y par exemple. Là, nous avons affaire à un quotient. Alors, dans la détermination de l'incertitude relative, on dit delta G sur G égale à delta X sur X plus delta Y sur Y. Donc, on fait la somme des incertitudes relatives de différentes grandeurs. Maintenant, le cas le plus fréquent. Nous avons une grandeur G qui se présente comme étant le produit d'une constante, d'un nombre, ça peut être 2, 4, 5, 6. Alors, fois X à la puissance alpha, Y à la puissance bêta, le tout sur Z à la puissance gamma. C'est le cas le plus fréquent. Alors, à ce moment-là, comment faire pour déterminer l'incertitude relative? Alors, on écrit que delta G sur G égale delta G sur G égale A. Nous avons d'abord la constante qui n'intervient pas dans la détermination. Alors, nous avons donc directement valeur absolue de alpha fois delta X sur X plus, on passe ici, Y à la puissance bêta. Donc, valeur absolue de bêta fois delta Y sur Y plus la valeur absolue de gamma fois delta Z sur Z. Prenons quelques exemples. Exemple. Donc ici, nous pouvons remarquer que le théorème des incertitudes relatives s'applique quand on a affaire à un produit ou un quotient. Mais quand on a affaire à une addition ou une division, pour déterminer l'incertitude relative, il faut d'abord appliquer le théorème des incertitudes absolues, chercher à trouver delta G, et à partir de delta G, on fait le rapport avec la valeur approchée pour déterminer
l'incertitude relative. Exemple, nous pouvons prendre ceci. Volume d'un cylindre. Vous avez vu au collège que le volume d'un cylindre est égal à pi fois rayon au carré fois la hauteur. Bien. Alors, on veut déterminer l'incertitude relative sur ce volume. Alors, puisque nous avons affaire à un produit, nous disons ceci, ce qui entraîne ici que delta V sur V égale. Voilà comment il faut présenter cela. Delta V sur V égale. Nous avons pi. Bon, pi, oui, on peut considérer pi comme étant une constante. Si on ne nous donne pas l'incertitude, la valeur de l'incertitude absolue sur pi, parce que pi, quand nous prenons 3,14, ce n'est qu'une valeur approximative. Donc là aussi, nous commettons une erreur. Donc si dans le texte, comme dans la plupart des cas, l'incertitude absolue sur pi n'est pas donnée, alors nous considérons pi comme étant une simple constante, et donc pi n'interviendra pas. À ce moment-là, on tombe directement sur r au carré. Et lorsque nous prenons r au carré, nous tombons sur cette forme-là. Là, nous avons la forme a à la puissance n, ce qui veut dire qu'on aura valeur absolue de 2, qui n'est autre que 2. Voilà, la valeur absolue de 2 fois delta r sur r, plus on additionne. On arrive au niveau de la hauteur. La hauteur est une grandeur physique. Donc, on suppose qu'il y a une incertitude absolue sur H et nous avons là plus delta H sur H. Voilà. Donc, par cette formule, si nous ne connaissons pas l'incertitude absolue delta V, on peut la déterminer en utilisant cette formule. Delta V égale à V, facteur de tout ceci. Voilà un premier exemple. Nous pouvons prendre un deuxième exemple. Un deuxième exemple. Nous disons, voilà, par exemple, masse volumique, voilà, la masse volumique, je peux prendre d'une sphère. Alors, nous savons que ρ est égal à m sur V, ρ, la masse volumique ρ, que vous représentez par A, par exemple, au collège. Or, dans le cas d'une sphère, V, c'est 4 tiers de pi r au cube. Alors, ceci nous amène à écrire que ρ est égal, je vais directement, à 3m sur 4 pi r au cube. Nous voulons déterminer l'incertitude relative sur ρ. Nous disons, alors, delta rho sur rho. Ici, la constante 3 n'intervient pas. Donc, nous passons directement à m, delta m sur m, plus, nous supposons qu'il n'y a pas d'incertitude absolue sur pi, plus, là, le 3 là intervient parce qu'il est en exposant d'une grandeur physique. Donc, nous disons 3 delta R sur R. À ce moment-là, je vous demanderai de revoir même votre cahier de la classe de seconde, hein, parce que vous avez étudié ça en classe de seconde. Voilà quelques exemples qui permettent d'établir la formule de l'incertitude relative dans ce cas, dans celui-ci. Mais lorsqu'on a réalisé une mesure, on a dit qu'en réalisant une mesure, la valeur trouvée correspond à la valeur approchée. On n'est pas sûr de la valeur approchée, non plutôt de la valeur exacte. Nous connaissons delta G, l'incertitude absolue. Comment présente-t-on à ce moment-là la mesure de la grandeur? Alors, la mesure de la grandeur est présentée de la manière suivante. Donc, cela, nous passons. Alors, donc, reprise. Donc, en fait, là, comme nous avons affaire à un produit quotient, 3 fois m, un produit quotient, alors,
Cela nous permet simplement de trouver l'expression du point de vue de la formule directe de l'incertitude relative. À ce moment-là, connaissant l'incertitude relative, nous pouvons déterminer l'incertitude absolue. Delta rho égale à rho facteur de tout ceci. Donc, dans ce genre de théorème, quand on utilise le théorème des incertitudes relatives, l'incertitude absolue est déterminée à partir de l'incertitude relative. Donc, l'incertitude absolue est donc déterminée à partir de l'incertitude relative. On a trouvé l'expression de l'incertitude relative, on tire. Alors que quand il s'agit d'une addition ou d'une soustraction, on détermine l'incertitude relative à partir de l'incertitude absolue. Voilà ce qu'il faut retenir et nous retrouverons ces formules au fur et à mesure que nous évoluerons dans les cours de sciences physiques en classe de terminale C et D. Alors, nous disions tout à l'heure que une fois qu'on a réalisé une mesure, la valeur trouvée est considérée comme étant une valeur approchée. À ce moment-là, comment faut-il présenter le résultat de cette mesure? Nous passons donc au point suivant. Donc, grand 4, 3. Grand 4, 3. Présentation du résultat de la mesure. Voilà, présentation du résultat de la mesure. Alors, donc une fois que la mesure a été réalisée, je vais écrire ça au tableau. Donc ici, je peux nettoyer rapidement. Voilà. Bien. Donc je dis ceci. Alors je dis donc que comment présenter? Alors j'ai deux points. Résultat de la mesure. J'ai A valeur approchée. Je reprécise que la valeur approchée, c'est la valeur mesurée. Mesurée ou calculée. Parce qu'on peut aussi calculer en utilisant une formule. Par exemple, la masse volumique, il faut calculer. Parce qu'il n'y a pas d'instrument qui permette de déterminer la masse volumique. Sauf si on passe par le densimètre. Mais là, on passe par la densité. Et donc, valeur approchée, valeur mesurée. Alors, ici, nous disons delta G, incertitude absolue. Alors, je dis, alors, le résultat de la mesure est présenté sous la forme G égale à GA plus ou moins delta G, je précise, unité de G. Voilà. Voilà comment on présente le résultat d'une mesure. On a réalisé la mesure, on a trouvé la valeur approchée, mais quand il faut présenter le résultat de la mesure, le résultat de la mesure se présente de cette manière. Et qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut autrement dire, je dis ici, soit encore, alors, GA moins delta G, je mets ça entre parenthèses, inférieur ou égal à G, inférieur ou égal à GA plus delta G. Voilà. Là, on parle maintenant en termes d'intervalle. On peut dire dans quel intervalle est comprise la valeur de cette mesure. À ce moment-là, nous devons travailler en faisant cette opération. Donc, GA, si on connaît GA, on connaît également delta G. On écrira d'un côté GA moins delta G, de l'autre GA plus delta G. Mais maintenant, si on dit de présenter le résultat de la mesure, la présentation se fait sous cette forme G égale à GA plus ou moins delta G, unité de G. Alors, GA moins delta G d'un côté, GA plus delta G, c'est l'intervalle où est comprise la valeur réelle, qu'on appelle l'intervalle de confiance. Donc, la valeur réelle est comprise dans cet intervalle qui est appelé intervalle de confiance. Voilà ce qu'il faut donc retenir sur cette notion
relative aux incertitudes. Retenons que lorsqu'on réalise une mesure en physique, qu'on utilise le chronomètre, qu'on utilise quoi que ce soit, cette mesure est entachée de doute. Voilà pourquoi il y a la notion d'incertitude. Alors, mais puisque les mesures sont entachées d'erreurs, il se pose un problème. On dit ici, la valeur calculée est donc une valeur approchée. On l'a déjà dit. La valeur calculée est donc une valeur approchée. Avec combien de chiffres? Avec combien de chiffres, alors appelés chiffres significatifs, convient-il d'exprimer un résultat? Voilà un problème, la problématique. Voilà pourquoi nous allons passer à la notion, très rapidement, à la notion de chiffres significatifs. Donc, cinq notions de chiffres significatifs. Grand 5, notion de chiffres significatifs. Voilà. Donc, on a posé le problème en introduction. Les mesures étant attachées d'erreur, la valeur calculée est donc une valeur approchée. Avec combien de chiffres? Alors, appelé chiffre significatif, convient-il d'exprimer un résultat? Voilà pourquoi directement nous passons à la définition. 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 Nous allons écrire la définition au tableau et prendre quelques exemples. Définition. On appelle les chiffres significatifs. On appelle chiffres. On appelle chiffres significatifs d'une valeur, on appelle les chiffres significatifs d'une valeur numérique, alors tous les chiffres autres que, tous les chiffres autres que les zéros placé à gauche. Voilà. Tous les chiffres autres que les zéros placés à gauche du nombre. Voilà. Prenons quelques exemples. Bien. Nous pouvons prendre le cas de 0,0345. On dit ici que 0,0345 renferme trois chiffres significatifs, car les deux zéros sont placés à gauche du nombre et ces deux zéros ne comptent pas. Donc je dis ici trois chiffres significatifs. On va prendre un autre exemple. Je prends 3,42, bon, je mets 52, fois 10 à la puissance 4. L'exposant n'intervient pas dans la détermination du nombre de chiffres significatifs. Ici, nous avons comme chiffres significatifs 3, 4, 5 et 2. Donc, je dis ici 1, 2, 3, 4. Donc, il y a 4 chiffres significatifs. Alors, vous pourrez remarquer cela. Dans certains exercices, on vous donne une valeur, mais on écrit par exemple 20,00. On a réalisé une mesure, on dit 20,00. Mais quand une telle valeur est donnée, cela veut dire qu'on introduit la notion de chiffre significatif. Et nous verrons l'intérêt du nombre de chiffres significatifs. Donc ici,
Les zéros sont placés à droite. Lorsque les zéros sont placés à droite, ces zéros-là comptent comme chiffres significatifs. Donc ici, on a quatre chiffres significatifs. Alors, si nous avons, par exemple, 8,0025, 10 à la puissance moins 2, l'exposant en puissance ne compte pas. Ici, nous avons comme chiffre significatif 1, 2, 3, 4 et 5. Les deux zéros-là ne sont pas placés à gauche. Ce sont des zéros qui sont intercalés. Donc ici, on dit qu'on a 5 chiffres significatifs. Alors, une fois qu'on sait déterminer le nombre de chiffres significatifs, quel est l'intérêt de chiffres significatifs? C'est là où nous allons aborder l'intérêt. Donc, au grand 5, 2, nous écrivons chiffres significatifs et opérations. Chiffres significatifs et opérations. Voilà. Bien. On dit ceci. Le résultat d'un calcul doit être présenté avec le même nombre de chiffres significatifs que la donnée la moins précise. C'est-à-dire que celle qui a le plus petit nombre de chiffres significatifs. Je vais écrire cela au tableau pour plus de compréhension. Et nous prendrons quelques exemples pour vous montrer l'importance des chiffres significatifs. Alors, donc j'écris ceci, que le résultat d'un calcul Le résultat d'un calcul doit être présenté avec le même nombre de chiffres significatifs que la donnée la moins précise. Qu'est-ce qu'on appelle par donnée la moins précise? C'est-à-dire celle qui a le plus petit nombre de chiffres significatifs. Voilà. Prenons un exemple. Nous allons prendre un exemple. Exemple. On se retrouve en face d'un calcul. Ce calcul fait intervenir deux grandeurs physiques. Et ce calcul est une multiplication. Alors, je prends cet exemple-là. Et que dans ce calcul, nous avons à faire l'opération 36,54 fois 58,4. Alors, ceci me donne 2133,936. Voilà ce que l'on trouve. Alors, c'est là où se pose le problème. Quelquefois, on peut voir un élève prendre 2134. Un autre peut prendre même tout ça. Un autre encore peut aller à deux chiffres après la virgule. En réalité, c'est un désordre. La science n'est pas désordonnée. On donne le résultat en tenant compte du principe du nombre de chiffres significatifs. Et selon ce principe, le résultat doit avoir le même nombre de chiffres significatifs que la donnée la moins précise. Or, les données qui interviennent ici, du point de vue de leur valeur, sont 36,54 et 58,4. Alors, la donnée la moins précise, c'est 58,4.
Ça veut dire que le résultat à présenter ne peut au maximum, ne doit en réalité contenir que trois chiffres significatifs. C'est cela l'importance du nombre de chiffres significatifs. Même si souvent on n'est pas très rigoureux sur ça, mais en réalité, ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. La donnée la moins précise, ici nous avons quatre chiffres significatifs, là nous en avons trois. Nous devons nous arranger de telle manière que nous puissions prendre seulement trois chiffres ici. Qu'est-ce que l'on fait à ce niveau-là? On présente l'expression d'abord sous forme d'écriture scientifique. Donc je dis que ceci est égal à 2,133936 fois 10 à la puissance 3. Donc on a déplacé la virgule de trois chiffres vers la gauche. Alors à ce moment-là, je regarde, mon résultat doit comporter combien de chiffres? 3. Donc à la fin, je dois écrire ceci est à peu près égal à 3,13 fois 10 à la puissance 3. Voilà l'intérêt des nombres significatifs. Ça veut dire qu'ailleurs, si je prends 2,133 ou 2,1339, c'est faux. Pourquoi? Parce que je n'ai pas respecté ou on n'a pas respecté le principe du nombre de chiffres significatifs. Prenons un autre exemple. Prenons ce cas-ci. Nous avons deux grandeurs qui interviennent dans une division, divisée par 42,5. Ça veut dire qu'on est en train de travailler à une formule, et cette formule correspond à un rapport. L'une des grandeurs, c'est 235,45, et l'autre, c'est 42,3. Voilà, 42,3. Alors, on trouve ici 5,56619. Donc, 5,56619. Un élève peut encadrer. Bon, il arrive parfois qu'on puisse lui donner des points. Tout ça, il encadre. Un autre peut se dire, bon, moi, je ne prends que deux chiffres. Il prend 5,7. Bon, souvent on est très large, mais en réalité, tous les élèves doivent prendre la même valeur, le même nombre. Pourquoi? Parce que nous devons respecter le nombre de chiffres significatifs. Donc, du coup, ici, là, nous avons trois chiffres. Là, on a cinq chiffres. La réponse doit comporter trois chiffres significatifs. Et on écrit à peu près égal à 5,57. Donc, j'arrondis déjà, puisque ici, j'ai 6. Après, 6, c'est un nombre qui est supérieur à 5. Donc, j'ai à peu près 5,57. Voilà l'intérêt des chiffres significatifs dans les calculs. Et ici, on dit même ceci. Un nombre entier naturel est considéré comme ayant un nombre illimité de chiffres significatifs. Donc, s'il y a un nombre entier naturel qui intervient, par exemple 2, 4, 57, à ce moment-là, nous avons affaire à un nombre qui renferme un nombre indéterminé, sinon illimité de chiffres significatifs. Alors à ce moment-là, si on veut trouver le résultat, on ne tiendra pas compte de ce nombre. Il faut tenir compte des autres nombres qui sont des nombres décimaux. Voilà pourquoi je disais que vous pouvez, dans un exercice, on peut vous dire, bon, la puissance de cette cellule, dans le cadre de l'effet photoélectrique, la puissance de cette cellule peut être égale à 42,00 watts. Mais il faut se poser des questions. Puisque 42... Et 42, on peut dire, mais pourquoi on n'a pas écrit 42,00? Pourquoi on n'a plutôt pas écrit 42, on donne 42,0? C'est pour la notion de chiffre significatif. Cela veut dire que la mesure-là a été réalisée avec un instrument qui peut aller au maximum à 4 chiffres. Et dans les calculs, en réalité, nous devons tenir compte de cette notion de chiffre significatif puisqu'elle est introduite dans les données. Et pour terminer donc cette leçon, nous allons passer au dernier point, les formules d'approximation. Donc nous disons ici, six formules d'approximation. Formule d'approximation.
Alors, si alpha est un angle petit, alors l'angle petit est un angle inférieur égal à 8 degrés. Généralement, il y a des documents qui vont parfois jusqu'à 12. Alors, pour un angle petit, le sinus de l'angle est pratiquement égal à la tangente de l'angle. Le sinus de l'angle est pratiquement égal à la tangente de l'angle. Et ceci est égal à la valeur de l'angle, mais attention, en radians. Vous pouvez prendre la calculette, vous calculez le sinus, par exemple, de 8 degrés. Vous calculez la tangente de 8 degrés. Et vous convertissez 8 degrés en radians. Donc, on multiplie 8 par 3,14, on divise par 180. Ça, vous avez vu en classe de seconde. Vous remarquerez que la valeur du sinus de cet angle, 8 degrés, est pratiquement égale à la valeur de la tangente de cet angle et c'est aussi presque égal à la valeur de l'angle que vous aviez converti en radians. Et dans le même cadre, et finalement, le cosinus de alpha est à peu près égal à 1 moins alpha au carré sur 2. Ça, c'est dans le cas d'un angle petit. Mais si l'angle est grand, comme 30 degrés, non, ces formules ne sont plus valables. Donc, ces formules ne sont valables que pour les petits angles. Et ça, vous avez aussi déjà vu quelque part, je pense, en classe même de première, lorsque vous avez étudié les jobs de plan, on vous a déjà parlé à ce niveau-là des angles petits. Alors, si, deuxième astérisque, si epsilon est un nombre petit, si epsilon est un nombre petit, tel que epsilon est un nombre qui est inférieur ou égal à 10 puissance moins 2, donc inférieur ou égal à 0,01. Première relation, 1 plus epsilon à la puissance n égale à peu près à 1 plus n epsilon. Alors, si nous avons 1 plus epsilon, facteur de 1 plus epsilon prime, donc epsilon prime est aussi inférieur ou égal à 10 à la puissance moins 2 degrés, alors ceci est égal à peu près à 10 à la puissance plutôt moins 2 à 1 plus epsilon prime. Et si nous avons, par exemple, 1 divisé par 1, plus epsilon à la puissance, le tout à la puissance n, alors en mathématiques, ceci nous donne 1 plus epsilon à la puissance moins n. Et ceci est à peu près égal à 1 moins n epsilon. Et si nous prenons la racine carrée de 1 plus epsilon, la racine carrée d'un nombre, c'est égal à ce nombre à la puissance 1 demi, alors on peut écrire que ceci est égal à peu près à 1 plus epsilon sur 2. Voilà ce que vous devez retenir sur les formules d'approximation. Ceci étant, nous avions donc terminé avec notre leçon sur les incertitudes à partir des grandeurs mesurées. Et une fois de plus, je vous dis au revoir et je vous invite à être connecté à la chaîne École à domicile, car avec cette chaîne, vous pourrez tranquillement préparer votre examen. Je vous remercie.